Bonjour, Tafa Cissé, percussionniste, membre d'un groupe qui s'appelle le Khalam. Donc, aujourd'hui, c'est d'abord la présentation, un peu, juste une petite idée en rythme de cet ensemble de percussions, dont ces quatre-là qui se jouent ensemble, c'est une famille de percussions qu'on appelle les Bouarabou. Ensuite, j'ai joué le djembé, qui est un instrument malinké. Et ici, nous avons les fameux congas connus dans le monde entier qui sont des percussionnistes cubaines, sûrement d'origine africaine, mais cubaines. Et voilà. À partir de cet ensemble, on va essayer d'expliquer comment ça se passe dans le monde de la percussion, qui est un monde assez vaste, assez varié, avec beaucoup de techniques différentes, beaucoup d'approches différentes, selon dans la musique ou dans quel genre de musique et ces percussions sont utilisées. Ou c'est dans la musique traditionnelle, ou c'est dans la musique moderne, ou ça c'est le jazz, ou dans la musique populaire en tout cas. La particularité des percussions, c'est que les percussions sont les instruments qui peuvent aller dans toutes sortes de musiques, parce que c'est des instruments qui d'abord servent à donner une couleur de toute musique. C'est contrairement à ce qu'on pense, on pense toujours tout de suite au rythme, mais c'est d'abord une couleur. Et puis ensuite, le rythme, c'est toujours un complément de rythme, ou alors c'est à la base du rythme. Et donc, par exemple, les congas ont été joués pendant très longtemps sans la batterie, parce que c'était la base rythmique et en même temps la couleur. Et les bougarabous sont toujours des instruments traditionnels qui ont toujours été joués dans un contexte totalement traditionnel. Et avec sa richesse, il y a une ouverture très facile parce que c'est des percussions qui sont en même temps rythmiques mais mélodiques. Il y a des harmonies. Et aussi le djembé, qui est l'instrument le plus populaire dans toute l'Afrique et particulièrement en Afrique de l'Ouest, parce qu'il vient de là. C'est un instrument qui a couvert tout le royaume mandingue, Mali, Guinée, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Libéria, jusqu'en Ghana. Et donc, c'est l'instrument roi de percussion qu'on trouve partout, avec plusieurs formes, plusieurs sonorités. Et puis, vous avez aussi tous ces accessoires qui sont des accessoires modernes, parce que le chimes a été inventé très tardivement. Vous avez les cloches, les tambourins, les cocottes qui servent de clave, etc. Le fameux shaker. Et voilà. Et puis, tant d'autres. Voilà, donc, je vais essayer d'expliquer, de donner quelques notes, quelques exemples de ce qu'on va partager avec vous. On va commencer d'abord par avoir une approche beaucoup plus facile pour les débutants qui veulent vraiment aborder la percussion contemporaine, je vais dire. Parce que s'il s'agit de la percussion traditionnelle, on sait en général que ça s'apprend dans le milieu où on est. Mais dans la musique contemporaine, moderne, pour ceux qui sont déjà avancés, on parlera de ça plus tard, mais les débutants, cet instrument-là est très important parce que c'est l'instrument qui d'abord vous apprend à faire sonner la peau, vous apprend à comprendre les notes, c'est très important. Les notes que vous jouez, quand vous les jouez, c'est quoi? Et ensuite, c'est l'instrument qui demande une technique particulière. Donc, à partir de ces bases-là, vous avez déjà une bonne compréhension de cet instrument qui rentre dans la musique africaine, congolaise par exemple, ivoirienne, sénégalaise, mais surtout dans la musique latine et dans la musique pop. Parce que c'est l'instrument par excellence. Et la première chose à apprendre à partir de cet instrument-là, c'est de sortir la note juste. Comme toutes les percussions de peau, il y a généralement trois notes de base. Et ces trois notes de base, on doit
absolument les maîtriser parce que ça vous permet de jouer proprement, clairement. C'est le claqué, la tonalité, la basse. Il y a une quatrième note qui est l'étouffée. On peut étouffer la basse, on peut étouffer la tonalité et on peut étouffer le claqué. Et ça, par exemple, ici, quand on joue cette note-là, c'est le claqué. Et puis, il y a la tonalité qui est jouée sur le rebord avec les mains, les doigts fermés, parce qu'on ferme l'air. Et ici, le claqué, on ouvre l'air. Et puis, il y a la basse qui est toute la main, la paume à l'intérieur, au milieu. Et après, vous avez, comme je vous ai dit, les notes qui sont des notes étouffées. Ça, c'est la base. Après, maintenant, il y a un problème de déplacement quand vous jouez sur deux instruments comme celui-là. Ça peut être 3, 4, 5, on le verra tout à l'heure, le déplacement. Et ça, c'est une technique qui est très importante à apprendre parce qu'on ne peut pas se déplacer à l'aveuglette sur ces percussions-là. Donc, tout ça prend beaucoup de patience. On commence d'abord à apprendre la note sur un seul instrument, qui s'appelle celui-là, qui s'appelle la conga. Et ça, c'est la tumba. Et la conga, il est le principal. Donc, par exemple, quand on apprend un rythme qui est celui qu'on connaît dès qu'on commence à jouer, par exemple, de la salsa ou bien de la musique congolaise ou la musique sénégalaise ou toute musique, c'est le rythme qui rejoint même le sabar. Les joueurs de sabar, il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas. Ça se joue sur le même accent que le sabar. Quand on joue du sabar, qu'on fait sur la conga, c'est sur le même accent. C'est seulement les notes ne sont pas les mêmes. Parce que le congas, cette note-là, elle est uniquement la tonalité et le claqué fermé. Alors que sur le sabar, c'est vraiment la baguette qui est en haut-dessus. Et donc, par exemple, à partir de là, si tu es un jeune percussionniste sénégalais, il va juste comprendre que sur l'accent du sabar, vous avez cette congas-là. Donc, une fois qu'on a compris ça, on va travailler ça très doucement, avec beaucoup de patience, penser aux notes. Et c'est très important. Ça, c'est un exemple de base. Alors, à partir de là, il y a les tempos. Le même rythme va vous donner, par exemple, ça. Une fois qu'on a compris ça, qu'on joue les notes, le rythme et les accents, on entend déjà le deuxième tome qui est la tumba, qui joue plutôt la basse et la tonalité. Ce que je joue là, c'est ce que je vais jouer ici. Mais avant de se déplacer, on l'apprend sur place. Donc, à partir de là, c'est vraiment une base pour démarrer quand on joue les percus modernes, parce que tout est précis. L'autre chose qui concerne peut-être les musiciens qui sont les percussionnistes qui sont plus avancés, c'est quand on transpose des rythmes. Par exemple, quand on transpose le sabar sur des congas ou bien des congas sur le sabar, ce qui est important, en fait, c'est pas le rythme lui-même, c'est les notes qu'on sort.
Comment on transpose les rythmes d'un instrument de percussion à un autre instrument de percussion. Ça c'est hyper important parce que nous, même nous les professionnels, parfois, on fait ce genre d'erreur. Par exemple, tu veux jouer du sabar, un rythme sabar sur des congas. Le plus important, c'est de sortir la note de sabar. Parce que si vous faites, vous n'aurez pas vraiment le rythme du sabar. Vous avez l'impression que vous êtes toujours dans du rythme latin. Alors que quand on joue cette note-là, c'est pas pareil quand on fait. Là, on bouge pas. Donc ça, c'est des exemples. Donc c'est plus la note que le rythme, parce que le rythme, on va tout de suite le choper. L'autre chose, c'est les tempos. Un percussionniste, c'est normalement l'expert en tempo. Si vous ne pouvez pas garder le tempo, vous aurez du mal à suivre ou à aider une rythmique. Et le tempo, c'est toujours des respirations. Ça correspond à des respirations, à des. Évidemment, c'est des mesures, mais c'est des respirations. Pour ceux qui n'ont pas appris le solfège, parce que ce n'est pas tout le monde qui apprend par le solfège. Donc, le rythme et le tempo est important parce que dans un titre, on peut avoir un tempo qui part d'un point et finit d'un autre point beaucoup plus rapide ou bien même changeant. Ça aussi, c'est important de savoir cette variété de rythme. Est-ce que c'est une variété de rythme qu'on peut jouer rapide ou qu'on doit jouer rapide ou non? Par exemple, vous ne verrez jamais un rythme de reggae rapide, parce que le reggae n'est pas pensé rapide. Donc, quand vous jouez du reggae, par exemple, sur les congas, ne pensez jamais à la rapidité. Pensez toujours une respiration. Et ça vous permet de tout de suite de rentrer dans le bain. Alors que quand on joue, par exemple, de la salsa, ça peut aller très loin. Quand il s'agit du guaguango ou bien du candomblé, ça peut aller très vite. Parce que c'est des rythmes qui sont à la base des rythmes pour les danseurs. Donc, ça peut aller plus loin. Et puis, autre chose que je pourrais vous expliquer là-dessus. Ah, ouais. La qualité des peaux sur lesquelles on joue. C'est important parce que j'ai vu souvent des percussionnistes qui jouent sur des peaux, on peut, surtout quand on apprend. La qualité des peaux sur lesquelles on joue est importante parce que ça vous permet d'avoir une qualité de son. Parce qu'on peut jouer sur des peaux qui n'ont pas la qualité et pendant longtemps, on va penser que c'est ça. Et alors, le jour où on se retrouve sur des peaux ou des instruments parfaitement bien équilibrés, on perd tout ce qu'on avait appris parce que ça ne rebondit pas de la même manière. Parce que la touche n'est plus la même. Et du coup, ça pose des problèmes parce que j'ai vu des percussionnistes, j'ai eu des élèves dans certains workshops qui jouaient des rythmes sur des peaux qui n'étaient pas. Et quand ils se retrouvaient à jouer les mêmes rythmes sur des peaux normales, ils n'ont pas retrouvé ce qu'ils jouaient. Et pourtant, ils savaient, ils connaissaient les rythmes. Mais ça ne sonnait plus de la même manière. Parce que les mains ont des cales qui ne les permettent plus de jouer. Ça, c'est des peaux quand même de vache. Ça, c'est la peau de vache. Donc, c'est une peau de vache. Si elle n'a pas la qualité, l'apprentissage va être beaucoup plus compliqué. Ça, c'est important. Les peaux, la qualité des peaux. Alors, ça, c'était la base sur cet instrument qui est l'instrument international des percussionnistes qu'on trouve dans toutes sortes de musiques, même la musique classique. Même la musique classique. Donc, je vais vous donner un exemple de cette sonorité et d'une rythmique de cet instrument-là qui est basique. Thank you.
Ça, c'est la base de cet instrument-là et cette rythmique-là qui permet en général de partir dans toutes les formes de musique, que ce soit la pop, la salsa et même la musique sénégalaise. Maintenant, venons sur les instruments un peu, on va dire, ethniques, parce que ça vient d'un peu partout. Ici, on a les bougarabous. De ce set de bougarabous, c'est que c'est un instrument aussi qui est très adapté à la musique africaine en général. Toutes sortes de musique africaine, il s'adapte, que ce soit dans le soukous, que ce soit dans les rythmes guinéens, malinké, d'Afrique du Sud, un peu partout, parce que c'est un instrument qui est très polyvalent dans la manière de jouer. Et ce qui est important aussi, encore une fois, c'est toujours l'approche. Parce que vous savez, la manière d'apprivoiser cet instrument-là est un peu différent par leur technique. Si vous voulez jouer vraiment du bougarabou dans un sens pur, il faut apprendre la technique du bougarabou. Tout à l'heure, je vais vous montrer le claqué sur les congas. Alors que cet instrument a plusieurs techniques. On a la technique qui est juste sur le côté, juste avec la paume et les doigts qui tombent. Après, on a, c'est la même chose ici. Et après, on a le claqué naturel. Vous avez une différence. Et ça, c'est un peu ce qui est à part avec le bougarabou, parce que c'est une autre technique. Et la basse est jouée tout le temps, pratiquement tout le temps, parce qu'elle sert de soutien. Et le déplacement aussi du bougarabou est différent, par exemple, sur les congas, parce que le bougarabou, c'est un instrument chantant. Donc, à chaque fois qu'on a une rythmique. Cette rythmique permet aux musiciens d'identifier de quel tempo, quel accent, quelle tournure, parce que les notes sont jouées et ce sont ces notes jouées qui permettent de se situer. Par exemple, quand je joue un rythme qui fait, par exemple, donc, c'est le champ rythmique qui permet tout de suite de vous donner l'accent, le tempo et le 1 ou le 10. Bon. Donc, le bougarabou, c'est déjà ça. Et l'autre chose avec le bougarabou, c'est qu'il faut que chaque note soit jouée avec précision. Quand je joue la basse, je ne joue pas cette basse-là. C'est une basse tonalité. Et quand on joue la basse au milieu, ça c'est pour accentuer un rythme. Mais quand on joue le rythme sans les accentuer, ça reste très fluide. Et quand je veux jouer la basse au milieu pour accentuer le rythme, ça donne ça. Ça, c'est la base du bougarabou. Cet instrument-là permet aussi de varier très facilement dans une rythmique qui change. Par exemple, si je suis sur un binaire,
c'est le chant qui va vous dire tout de suite, même si vous n'avez pas compris dès le départ que le chant du rythme va vous dire que vous n'êtes plus dans le binaire, parce que tout simplement, en étant là, là. La mélodie vous oblige à revenir sur le ternaire ou le binaire. Et ça, c'est uniquement avec le bougarabou qu'on tout de suite qu'on le saisit. Parce que si tu le fais sur une autre percussion, c'est pas évident de choper tout de suite le changement de rythme. Mais sur le bougarabou, puisque c'est mélodique, tout de suite ça vous permet cela. Et donc, l'approche, c'est vraiment d'apprendre ces rythmes-là à travers des mélodies rythmiques. C'est la base du bougarabou. C'est vraiment la base. Quand je joue ce rythme-là, il a l'air compliqué, mais c'est un rythme qui est très facile à jouer, mais il faut juste avoir le temps de jouer les notes. Et vous jouez les notes, vous voyez que c'est très facile finalement. Parce que vous avez deux notes qui sont des tonalités, une fois sur la main droite, une fois sur la main gauche, et suivi de claquer, claquer, pareil, et puis basse. Et donc, à partir de là, c'est des choses qu'on peut apprendre avec beaucoup de patience, très lentement, et évoluer petit à petit pour aller plus loin, plus loin, plus vite. Donc, ça, c'est déjà une base pour aborder le bougarabou. Une autre façon, d'un autre exemple de rythme, pour toujours aborder le bougarabou, là, on va faire un rythme ternaire. Là, tout ce que je viens de faire, là, c'était un peu binaire. Et là, on va faire un ternaire. Parce que c'est le ternaire est très spécifique au bougarabou, en fait. On pourrait même penser que ça a été créé pour le ternaire, cet ensemble d'instruments. On pourrait le penser. Donc, par exemple, un rythme très facile à aborder pour pouvoir s'installer avec ces quatre tomes qui sont les bougarabou. Donc, on va faire un rythme de base. Alors ça, c'est vraiment la base du ternaire sur le bougarabou. Et après, vous avez vu que j'ai pas touché les tombes basses. Parce que les tombes basses dans ces ternaires, c'est ce qui donne les pulses, les accents qui font danser. Contrairement aux autres percussions où c'est les slaps ou les claquets, on dit,
qui font monter sur le bourrago, c'est le ton basse qui annonce la tension du rythme. Tant qu'on reste au milieu, ça reste tranquille, ça reste musical. Mais dès que on commence à utiliser les tomes, c'est les tomes qui donnent l'accent de la tension rythmique. Alors, ça, c'était la section du bourrago, qui est vraiment un instrument de la Casamance que j'utilise pratiquement sur toutes les aventures musicales, mais surtout dans le jazz, parce qu'il a des possibilités harmoniques et mélodiques qui font que je peux me retrouver avec juste un guitariste ou juste un contrebassiste pour faire un dialogue avec un pianiste. Et c'est un instrument qui est loin d'être encore compris par tout le monde. Et vraiment, c'est un instrument d'origine complètement traditionnelle. Mais il y a des possibilités énormes.